Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve sur Poppy Playtime. Et oui, ça fait, c'est un jeu vachement connu, je pense pas vous expliquer ce que c'est en fait. Bon, pour les 2-3 retardataires, c'est un jeu d'horreur. Et en gros, on a un employé qui retourne dans une usine de jouets où il travaillait à l'époque et est désaffecté pour y enquêter parce que beaucoup de gens y ont disparu, voilà. Et petit fun fact, la musique que vous entendez en fond est une version un peu inspirée, voire remix d'une autre musique assez connue sur YouTube, qui s'appelle It's a Burning Memory, voilà. Ça, c'est le petit truc bonus. Setting, langage, spanish, anglais, sensibilité, blabla. Bon, mais ça, on le verra dans le jeu. Et ben, c'est parti. Chapitre 1. Je sais pas quoi jouer. Voilà, donc là, c'est ce qu'il dit. Donc là, on retourne dans une usine, mais il a disparu. Donc il fait peur, hein. Ça, c'est Huggy Wuggies. Bon, je connais un peu quand même parce que bon, j'ai vu quand même les vidéos YouTube, mais voilà. Oh, c'est bien fait. Ah, ils ont carrément fait une vidéo et tout. Donc là, en fait, il va nous présenter un nouveau jouet. Donc l'entreprise, c'est Playtime Echo, et en fait, ils essayent de faire de nouveaux jouets, en fait. Et visiblement, ben là, il y en a certains qui ont mal tourné. Et du coup, ils vont buter tout ce qui bouge. Oh putain, c'est terrifiant. Oh mon dieu. Oh, c'est terrifiant. C'est à la fois bien fait et terrifiant. Mais moi, je vois ça chez moi, mais je le brûle, le jouet. Bah, en gros, c'est une petite poupée où tu dois en prendre soin. Elle aime les fleurs. Eh, 6 euros en vrai, ça va. Enfin, c'est des dollars, mais bon, ça revient au même. Le dollar est à peu près au même prix que l'euro. Je trouve ça marrant quand même qu'ils ont fait ça dans le style moderne, vraiment comme à l'époque. Oh, c'est tellement bien fait. C'est flippant, par contre, les têtes là. Oula. Oula, il y a eu un bug chelou là, j'ai pas compris. Ouais, donc visiblement, en fait, ils font des expériences bizarres là pour avoir des jouets stylés. L'usine elle est bizarre, hein, je sais pas. Ok. On doit trouver la fleur. D'accord, donc en fait, visiblement, dans cette fleur, il y a quelque chose. Il faut aller voir. Bon, je connais un petit peu le jeu, mais je veux dire, j'ai même pas vu de mec jouer à ce jeu, en fait, sur YouTube, parce que justement, je me réservais la surprise. Je connais juste Huggy Wuggy et tout, parce que voilà, tout le monde en parle, mais j'ai jamais joué au jeu. Oula, les textures, elles ont eu du mal. Hein. Ok. Ça, c'est pour sauter. Je lag un peu, mais ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Bon, je sais qu'il y a des courses-poursuites dans ce jeu. J'ai jamais joué, mais je connais un peu. Ok, donc là, j'ai récupéré une cassette. Ok. Bon, les cassettes, si je dis pas de conneries, ça raconte un peu l'histoire. Bon, là, il y a une porte avec un code. Oh, il y a un jouet, ok. Oh, il a été... Mais ouais, le jouet, il a été maltraité, quoi. Regardez-moi l'état du jouet. Oh, le pauvre. Bon, du coup, visiblement, il faut trouver un code couleur. On va aller par là, voir ce qui se passe. Ok, on a un joli petit train. Et Huggy. Oula, les peluches, elles sont pas dans les boîtes. C'est pas très rassurant, ça. Est-ce qu'il faudrait pas regarder? Ah, attends, je pense que c'est ça pour le porte-couleur, là. Attends, vert, rouge, jaune. Non, c'est rose. Ah, mais attends, il y a du bleu devant. Je sais pas, en fait, c'est un code à combien de chiffres? Bon, attends, on va essayer bleu, vert, rose, jaune, rouge. Voilà, c'est ça. Ok. Cassette bleue. Oh, c'est stylé.
Grab back. Donc visiblement c'est ce truc. Donc on peut l'équiper. Ah ouais, ça je connais. J'ai vu un petit peu. Ouais, et après en fait tu peux te servir comme des grappins en fait. Tu vois, en fait les mains c'est un petit peu comme des canons en fait. Et tu peux attraper des objets. Ouais, on connaît, on connaît. Ne pas taper les gens avec, ben en même temps ça. Waouh, mais c'est horrible, il lui a arraché la tête. Mais c'est dangereux votre jouet, les gars, c'est pas un jouet ça. Il peut conduire l'électricité. Ouais, non, mais les gars, c'est même plus un jouet à ce niveau-là. Oui, avec responsabilité. Ouais, j'ai pas très confiant parce que votre jouet il pourrait tuer quelqu'un, quoi. Enfin, c'est pas ouf. Ok. D'accord. Ok, donc en fait c'est comme un grappin. D'accord. Ben pourquoi pas. Ouais, c'est cool, mais j'ai récupéré une cassette jaune tout à l'heure, mais je sais pas où est-ce qu'elle se lit la cassette. On va voir est-ce que je peux passer derrière peut-être. Oh, je peux me baisser, d'accord. Si je fais comme ça, je peux me baisser. Oh, attends. Oh, trop stylé, c'est des scanners. Loading en progress. J'aime pas quand je sauvegarde, ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Ça n'a pas marché. Comment ça se fait? Ah, si, d'accord, c'est juste que ça rame. Oh putain. Waouh, waouh, waouh. Alors c'est toi, Huggy Wuggy. Tu fais peur, mon gars. Hein? Il est grand, mais wesh, il fait combien de mètres? Attends, un carton, on va dire que c'est 1 mètre. Ça fait 2 mètres, 3. Ah, il doit faire 5 mètres. Et si tu lui lèves les bras, 6 à 7. Hein? Et il est grand le gars. Visiblement là il faut ouvrir ça. Ah merde. Ah, le courant a sauté. Très bien. Là-bas il faut une deuxième main rouge. Oui, la main rouge, je sais qu'il y en a une mais je l'ai pas. Et après ce sont des zones qui ne sont tout simplement pas accessibles. Wesh. Oh, les boîtes, elles ont bougé. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai un marchand. Et il y a la clé qui est apparue sur sa main. Peut-être que là, il vient nous aider à nous donner la clé, mais je le sens pas, tu vois. Il veut qu'on aille dans le. Oh, je le sens pas, hein, le. Je le sens pas, lui. Il a pas l'air commode. Comment ça fonctionne? Là, c'est fermé, d'accord. Comment ça fonctionne? Là, il y a un truc qui est débranché, là, on peut pas le rebrancher, non? Ok. Oh, est-ce que je dois. Ah, d'accord, je dois peut-être faire comme ça. Et là, ils ont dit que ça. Si tu touches le poteau, ça l'alimente, c'est ça? Ça a pas l'air de fonctionner. Je pense pas que c'est ça qu'il faut faire. Attends, j'ai dû me gourer. Ah, si. Ok, ça a l'air de marcher maintenant.
Je sais pas pourquoi ça a pas marché tout à l'heure, mais là ça fonctionne, d'accord. Bon, je vais pas chercher à comprendre. Huggy, il a pas bougé. Hein. Il est bien dans l'angle de la caméra pour bien nous voir. Oula. Il a disparu. J'étais en train de me dire, il était pile dans l'angle, il a disparu. Nathan, vraiment, il s'est barré. Putain, il s'est barré. Il s'est fait la malle. Donc, c'est vraiment pas juste un jouet, le gars. Le gars, visiblement, c'est... Je sais pas si c'est un jouet, un robot, une créature, un animatronique, j'en sais rien. Mais en tout cas, il est vivant, ça c'est sûr. Il n'est pas inoffensif, hein. Ou alors, il a juste eu peur, il s'est fait la malle, c'est possible. Make a friends. J'ai pas envie de me fabriquer un ami, moi. Je veux juste me barrer de cette usine. Quelle idée de retourner là. Oh putain, vous avez vu? Il y avait sa main. Il y avait sa main. Attends, on est d'accord que j'ai vu une main là. La porte est fermée. Oh putain, mais j'ai pas confiance. C'est de l'eau ou c'est son sang, je sais pas. Wow. Oh, c'est, ah, l'ambiance, elle est bien plombée là d'un coup, l'ambiance. Hein. Tu vois, il est bien mignon sur l'affiche, mais le jouet, il est pas super mignon, quoi. Ok, là, il faut être dans une cassette. Je peux pas tirer le... Ah non, il n'y a pas la poignée. Et là, il y a la poignée? Non, il n'y a pas la poignée. Merde. Ok. J'arrive pas à un truc bleu. Ok, faut les foutre ici, visiblement. Très bien. Je vais descendre. J'espère qu'il n'y a rien qui va vouloir me tuer. Ah, là, je peux ouvrir la porte. Allez, hop. On ouvre. C'est là où il est derrière, tu sais. Non, c'est bon, il y est pas. Oh, je peux bouger les objets. Ok, d'accord, ça c'est bien, comme ça on se retrouvera pas bloqué. Oh, il y a le verre là-haut. Les batteries là, ok, c'est bon, j'en ai 4. Je vais remonter par l'autre côté du coup, puisque là je pense que je ne peux pas remonter, il n'y a pas d'échelle. Attends, avant de mettre les batteries... Oh, il y a la main rouge, d'accord, ça sert à ça en fait. Les batteries, ça va nous donner la main. Ah merde, il me manque le jaune. Je peux pas sauter là sur le... Ah, j'ai trouvé la cassette bleue. Attends, j'ai chopé la cassette bleue, je vais la mettre dans le truc. C'est pas traduit, c'est chiant. Bon, visiblement, on a deux développeurs de jouets qui s'engueulent un peu. Ouais, bah du coup, je sais pas ce qu'ils ont dit en fait, parce que bah je parle très mal l'anglais en fait. J'arrive à peu près à l'écrire, mais quand on me parle anglais, je comprends rien. Bon, visiblement, il y avait deux développeurs du jeu qui s'engueulaient, mais ça va pas nous aider à choper ce fameux truc qui manque, la jaune. 2000 years later. Ok, alors on est 43 000 ans plus tard, et je viens de voir que les mecs ils sont allés me le planquer dans un niveau. Je sais même pas comment je vais le choper là derrière là. Allez, le carton. Regarde où est-ce qu'ils l'ont mis. Comment tu voulais que je voie que c'était ici, cette connerie? Ok, il nous va la ramener. Ok. Et là, maintenant, j'ai deux mains. Génial. Maintenant, je peux choper ça, là-bas.
Attends. Et là, ça va ouvrir la porte. Oh, j'ai pas confiance, il y a marqué ne pas entrer et tout. Oh, je le sens pas. Ok, je peux passer par là. Ah, je peux monter ici, ça roule. Il y a un numéro 2, d'accord, donc visiblement il y a un ordre. Ok. Ok, c'était ça. Ça a ouvert ou... Attends, je dois passer de quel côté là? Where is the porte? Oula! J'ai rien compris à ce qui s'est passé, je me suis retrouvé emporté sur le tapis. Ouais, je lag. Waouh. Ok, d'accord. En fait, il y a l'usine qui se remet en marche. Ok. À mon avis, c'est pas un bon plan qu'on soit arrivé là. Ok, si, c'est bon. On est arrivé à destination. Donc, visiblement, on est dans l'espèce d'usine de jouets. Adopter un orphelin. Oh, c'est bien ça. Bon, après, vu qu'on sait qu'ils font des bails chelous dans l'usine, on ne sait pas trop. Ok, donc là, visiblement, il faut faire quelque chose pour pouvoir partir. Ok, ne partez pas sans un jouet. Donc, visiblement, il faut mettre un jouet pour ouvrir la porte. Need power. Ok, donc il faut trouver. Ah, mais attends, mais il y a un escalier, je peux monter. Je pense qu'il doit y avoir un truc à faire en haut avant d'aller ici. Cassette rose. Ok, d'accord. Waouh. Que je l'ai. Ah merde. Ah, je suis trop court. What made you want to work at the Playtime Co. Factory? Playing with toys when I was young was so magical. C'est magique. T'es sûr que travailler ici, c'est magique? Sometimes, though, I really, really wish I could go back to being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Pouf! J'ai entendu le mot mort, j'ai pas compris, mais... Stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive even while being way older than the person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? Alright, I think we're getting a little off track. Ok, bon, je parle très mal en anglais encore une fois, donc j'ai rien compris, mais j'ai entendu le mot die qui veut dire mourir, donc je suis pas rassuré. J'ai pas compris ce qu'il disait, mais je suis quand même pas rassuré. Voilà, on va y arriver. Et logiquement, ça remet l'usine en marche. Mais on. Il se passe rien. Oula, ça m'a fait peur. Par contre, le cadeau là, c'est quoi ce regard? Il me suit du regard, c'est horrible. Arrête de me suivre du regard, t'es flippant, mon gars. Il y a des leviers, est-ce qu'il faut activer les leviers?
Allez, c'est parti. On y va. Il n'y avait rien. Ah si, il y a un morceau. Ouais, donc là, on va assembler le jouet. Avec ça, je vais pouvoir le mettre sur le truc et pouvoir me barrer. Hop. Et logiquement, je peux me barrer. Bon, après, je sais que normalement, je crois, et je suis pas sûr qu'il y a possiblement une course-poursuite, mais je sais pas quel niveau du jeu c'est. Mais vu qu'il y a marqué loading en progrès en haut, il y a des chances que ce soit ici. What's up? Oui, c'est ici! Mon dieu, c'est terrifiant! Ok, donc là, visiblement, faut courir. Je comprends pas ce qui se passe, j'y vais, je sais même pas pourquoi. Ok, je pense qu'il faut juste courir. Oh putain! C'est terrifiant. C'est pire que si que dans The Door de Roblox. Waouh! Oh, c'est terrifiant! C'est pire que. Oula, par contre, c'est écrit en je sais pas quelle langue. Waouh! C'est pire que la course-poursuite de Roblox de la dernière fois. Je sais pas où il est, je sais qu'il est là par contre. Oh putain, comment je fais? Comment je monte? Mais comment je monte là? J'ai pas compris là. Je l'ai vu à travers le mur. Hein. Je pense qu'il faut tourner là. Oh le bâtard! Ouvre! Il est où? Il est juste là! Cours! Cours! Oh! Bon là je sais qu'il faut faire tomber la caisse, ça je connais. Allez hop! Wouah! Ouf! Ouch! Ah ça doit faire mal! Il a fait une chute. Putain, il y a du sang. Ah, ça, c'est intéressant. Il y a du sang sur le tuyau. Ça veut dire que c'était une créature, pas un jouet. Putain, j'ai flippé. Ouais, la caisse, je le savais parce que j'avais entendu parler. Parce que je vous ai dit, j'avais déjà un petit peu entendu parler ce qui se passe. Je connais pas le jeu, mais... Ok. Ben, c'était terrifiant. Non, en vrai, ça va. Franchement, il y a pire. Mais j'avoue que... Enfin, c'est violent. Par contre, il y a vachement beaucoup de passages, dis donc. En fait, ici, c'est un petit peu, je crois, le coin ouvrier où les gens passent quand... Ouais, je crois que c'est ça. C'est le coin où les ouvriers rentrent. Là, faut mettre ça. Expérimente. Ah, ben voilà, j'avais dit qu'il faisait des trucs bizarres dans le labo, là. Son expérience. As well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a... On entend des mecs crier au fond, c'est pas rassurant. Which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log. Ouais, il explique que c'est Oogie en fait, et Oogie Woogie, ben il est pas commode. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. Attends, tu vas mourir, je pense. Voilà. Bon, je pense qu'il expliquait comme quoi Oogie Woogie était dangereux, que c'était une expérience ratée ou un truc comme ça. Je pense que ça voulait dire ça. Ok, bon. Alors, du coup, il y a marqué stop run partout. J'aime pas trop ça. Donc, on est dans l'espèce de coquelicot bizarre là qu'il y avait. Ok, je peux descendre. Intéressant. Oh, il y a une musique. Oh, ça fait peur. Hein. La musique tout douce, là. Oh, le placard, je vais pas m'approcher. Il y a un truc qui va me sauter dessus. Oh, il fait tout rouge. Oh, j'aime pas ça. Ah, c'est Poppy. C'est la poupée qu'on a vue sur les trucs.
Ok, donc on a réussi à choper la poupée. Wow. Tu as ouvert ma cage. Ouais. Ok. Chapitre 1. Oh, ça finit comme ça. Ok. On a réussi à choper la poupée. Bon, ben voilà. Pour le chapitre 1. Donc, j'ai le chapitre 2 qui est enfin sorti sur mobile. Donc, je pourrai également vous le faire. Par contre, le chapitre 3, lui, ne sera pas disponible avant 2023 et sur PC. Donc, tu peux compter à la fin de l'année pour l'avoir sur mobile. Ouais, à chaque fois, ils font ça. Genre, en début de l'année, ils sortent sur PC et à la fin de l'année, sur mobile. Donc, vous aurez pas le chapitre 3 avant... Oh, un bon bout de temps, quoi. Plus de 6 mois. Mais voilà, j'ai déjà le chapitre 2 en stock, donc ça va être intéressant. Du coup, voilà sur ce que ça donne. Bon, franchement, j'ai bien aimé, c'était sympa. Bon, la course-poursuite, un peu flippante, mais en soi, en vrai, ça va, c'était pas trop terrifiant non plus. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est que j'avais une cassette verte au début du jeu que j'ai pas pu me servir, en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Eh ben, c'était fun. Moi, j'ai bien aimé, en vrai. Enfin, fun, c'est pas trop le mot adéquat à choisir, mais c'était bien.